Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc aujourd'hui, ouverture du dernier coffret, du dernier tripack. Donc tripack Salamèche. Donc Pokémon Go. Et avec ça, on va accompagner d'une petite tin box qui est au Ronflex, excusez-moi. Voilà, donc bah, dernier tirage, on a eu un petit peu de chance. On s'est refait un petit peu comparé aux autres tirages d'avant qui ont été bien plus malheureux. Donc ça, il est magnifique, ce petit Salamèche. Il est vraiment cool. Je kiffe les trois couleurs. Hop, et cette carte promo est magnifique aussi. Voici. Donc ça, ça va être le code pour vous. Voici, et on récupère les trois. Hop. Les trois boosters. Donc ouais, on a eu un petit peu plus de chance la dernière fois, donc j'espère que ça va se reproduire un petit peu sur cette ouverture et qu'on va avancer un petit peu la série. Donc j'espère que tout le monde va bien, tout le monde profite bien, tout le monde a bien profité de sa journée et qu'on va s'éclater dans cette petite ouverture. Allez, avec le petit code pour vous, 1, 2, 3, 4, et on va essayer d'aller choper des choses sympas. Donc un Reptincelle pour commencer, un Super Bonbon, Migalos, Carapuce, Meltan, Kyonotor, Magikarp, Poichijon et un Florizarre radieux. Ça c'est bon. Alors en effet, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Il est peut-être mieux centré, pas forcément, mais au moins c'est un radieux qui tombe et derrière on a un petit Nymphali. Vu le nombre de radios que j'arrive à choper, ça me fait très plaisir de revoir un petit Florizarre. Je prends sans sourciller, pour moi c'est un vrai hit. À l'échange, ça part facile, à la vente aussi. Hop, voici. Donc c'est en soi pas une mauvaise chose. Allez, deuxième booster. Bon, donc on a un radio, compliqué pour avoir le deuxième radio. Hop, voici le code pour vous. 1, 2, 3, 4. Et on est parti. On a une énergie. Flotte Steelix. Xatu. Super Bonbon. Meltan. Evoli. Pikachu. Carapuce, Mimigale, Magikarp en reverse. En faisant ça là comme ça, on peut presque croire qu'il y a un truc. Il y a un truc, mais j'espérais mieux. J'ai presque vu du gold en fait, je sais pas comment expliquer. Et on a un Monaflemite V. Bon, bah c'est une des V les plus pourrables, on passe le dire. Mais c'est toujours une V, donc on est content. Une radieuse, une V pour l'instant. Comparé à ce que je tire d'habitude, moi je suis très content. Voilà, c'est très bien. Alors c'est pas exactement les cartes que je veux, hein, loin de là. Mais ça me permet d'éviter d'avoir surtout des ouvertures avec rien. Voilà. Des cartes holo quoi. Que j'ai déjà 12 fois. Léviator, Loclass, Ronflex. Bon, je les aime bien. En plus ces cartes je les trouve jolies. Hein. Mais bon. Je voudrais un petit peu de full art. 1, 2, 3, 4, full art, radieuse, il y a un truc, radieuse, alternative quoi, histoire d'avancer la série. Donc Carabaf, capitaine d'équipe Candela, Air Bizarre, Onyx, Evoli, Salamèche, Capumain, Bulbizarre, Camerupt. Et il y a un truc, là pareil, j'ai l'impression que ça fait un espèce de gold, mais c'est pas du tout ça, ça va être une vieille V dégueulasse. Non, ça a l'air d'être un peu mieux. Ça peut peut-être même être une full art. Camerupt, allez, Camerupt, qu'est-ce que tu me sors d'un seul coup là? Allez, petit roulement de tambour, on y croit les enfants, on y croit. Et BT au chef V, oui, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est carte que j'ai pas, c'est du full art. Ça avance la série. Le coffret Salamèche. Il m'aura récompensé avec trois beaux petits hits. C'est cool. C'est cool. En plus, là,
Le cadrage me semble pas trop foireux sur cette carte-là. Ouais. Par contre, je sens que le téléphone est en fin de batterie vu comment ça lag à moitié. Donc, il va falloir que je me dépêche de terminer ce petite ouverture. Histoire de ne pas être coupé en plein milieu. Ouais, parce que j'ai décidé de passer, d'enlever le câble qui était pas ouf. Et au final, bah, le câble, il me servait quand même bien pour recharger le téléphone. Allez, deux boosters. Hop, ouais, c'est bon, ça lag plus. Il y a eu un petit moment de lag. J'ose pas appuyer sur le téléphone pour voir la batterie. Donc bon. Allez, là j'aurais bien arraché le booster. Ça, c'est le booster bien arraché. Hop là, voici messieurs, dames, le petit code 1, 2, 3 et 4. Et on passe aux choses sérieuses avec un gros foirage. Et donc, on a directement la holographique, c'est Elector. Et derrière, nous avons un samouraï en reverse. Voici, hop là, excusez-moi, je fais tout bouger. Capitaine, bon bah voilà, hein, de la grosse crotte hein, un petit peu. Bon bah c'était une ouverture express, au moins avec le petit mouvement comme ça, hop, directement on tombe sur le hit. Pas besoin d'aller regarder les autres cartes, limite sur une série comme ça où j'ai tellement de temps de cartes que oui je pourrais aller chercher juste la river, c'est juste, juste le hit. Ça ferait gagner du temps. Mais bon, on va maintenir le suspense. 1, 2, 3 et 4. Je crois que je suis bon à 4 là. Je crois que je suis bon. Ouais, je suis bon. Allez, on termine ce booster là. Capitaine d'équipe blanche, Camerupt, Incubateur d'œufs, Pikachu, Mimigal, Ratatadalola, Kyonotor, Salamèche, Pokéstop, Pokéstop, Pokéstop. Allez, Pokéstop, t'as pas envie de. Non, il a pas envie. Il a pas envie. Léviateur. En reverse, en holographique et un petit Pokéstop en reverse. Bon, bah ça c'est fait, c'est plus à faire. Alors, petit recap rapide. Le coffret Salamèche, non franchement une tuerie. Très content de mes tirages. Une radieuse, une full art, une V, trois boosters. Super. Vu comment j'ai galéré sur d'autres ouvertures, je suis très content de cette ouverture-là. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir suivi, suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, on se dit à très bientôt pour les prochaines ouvertures. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ciao tout le monde!